Bonjour l'équipe. Est-ce que la réception est bonne? Petit problème de connexion ce matin. La connexion est bonne, s'il vous plaît, dites-moi rapidement. Salut Alpha, salut Abdel. Dites-moi, elle est bonne la connexion? Vous me recevez bien ce matin? Je répète, est-ce que la connexion est bonne l'équipe? Bonjour, bonjour, oui. La connexion est-elle bonne? Ok, très bien. Donc ce matin, ça va être efficace, on va travailler dur, mais ça va rester cool, ok? Parce que là, on arrive à plus d'un mois d'exercice et le but n'est pas de se cramer, de se blesser, ok? Donc je vais adapter les séances et on va travailler plus en musculaire. On va travailler aussi avec un peu moins d'explosivité aujourd'hui, ok? Histoire de récupérer par rapport à la séance d'hier qui était relativement intense. Comme d'hab. À 300, je balance. Donc, ce matin, prenez vos stylos. J'ai une astuce qui va vous changer la vie. Prenez vite vos stylos. Je ne le répéterai pas. Ne m'envoyez pas de message pour que je répète la recette. Donc, prenez vos stylos, je répète. Et un papier. Je vais vous donner une astuce de grand-mère. Vous le méritez, l'équipe. Là, on arrive à un stade où, franchement, je peux vous donner plus. Parce que vous me donnez en retour. Donc, à mon tour. De vous donner des astuces pour votre transformation physique. Ok, à l'équipe. Est-ce que vous avez tous pris un stylo et une feuille de pa en papier? Ok, donc je vais vous donner une astuce. Je répète, prends note bien. Ne m'envoie pas un message pour me répéter. Coach, c'est quoi la recette miracle? Je vais vous donner une recette magique pour déstocker vos graisses viscérales. Parce que là, je m'en rends compte qu'il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, coach, j'arrive pas à perdre ma graisse du bide. Ok, on va tricher, mais sainement. Je vais te donner une astuce. Tu vas aller à la pharmacie, ok? Tu vas à la pharmacie. C'est pas souvent hein, que je vais vous dire d'aller en pharmacie acheter des trucs, hein? Donc écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas à la pharmacie, tu vas voir la pharmacienne et tu lui demandes de l'argile verte. Surfine. Ok? Je répète. Argile verte surfine. Ok. Et là, mon ami, on va faire une cure, une vraie cure, pour te décoller toute cette graisse viscérale que tu as dans les intestins qui est installée depuis des années. Et malgré le sport, tu vois que tu te transformes de partout sauf ce petit bide-là. Et tu veux une peau comme du papier à cigarette. Ok? C'est-à-dire fine. Tu vois, quand tu tires la peau, elle colle. Là, ça veut dire que tu es sec. Quand tu as la peau qui colle, ça veut dire que tu es sec, ok? Donc écoute bien la recette. C'est une recette de grand-mère. Tu prends un verre. T'as entendu? Un verre en verre et non une timbale en fer parce que ça fait une réaction chimique avec l'argile verte, ok? Tu prends une cuillère, une grosse cuillère de cuisine en bois. Je répète, en bois, pas en aluminium, pas en fer, pas en plastique, en bois, ok? Tous les soirs. Écoute bien ma recette de grand-mère, hein? Je l'ai fait pendant 3 semaines, 1 mois, c'est radical. En général, je ne parle pas pour dire des conneries, ok? Donc écoute bien ma recette. Tu prends ton pack de Surfine, là, de poudre. Ça se vend en 250, 300 grammes, ça dépend, les pharmacies. Alright? Ensuite, tu prends ta cuillère en bois. Tu prends une bonne cuillère dans ton sachet de poudre que tu vas mettre dans ton verre, ok? À partir de là, tu remplis ton verre d'eau. Tu mélanges avec ta cuillère en bois dans un verre en verre, pas un verre en alu, ok? Une fois que tu as mélangé, tu laisses décanter toute la nuit en bas de ton frigo, ok? Quand tu vas te réveiller le lendemain matin, le premier truc que tu fais, hein, tu vas pas pisser, non, tu vas dans ton frigo et tu bois ta potion magique, ok? Tu vas voir, ça fait comme une boisson grisâtre avec une espèce de plâtre qui est resté au fond, donc l'argile, ok? L'argile du fond, la première semaine, tu ne la bois pas. Ok, donc tu bois ton verre tous les matins, tu fais une cure. Ok, tu vas voir, tu vas pisser toute la journée, c'est normal, tu vas éliminer. Ok, tu vas drainer ton corps. Ok, ça va déstocker tes graisses. Passer la première semaine, une fois que ton estomac s'est habitué avec cette espèce de plâtre, ça va laisser comme une petite fine couche de plâtre dans tes intestins. À partir de là, tu passes à la deuxième étape. Alors là, c'est du lourd, hein. Tu fais la même technique, tu prends ta cuillère, tu mets dans ton verre. Tu laisses décanter toute la nuit. Par contre, le matin, tu mélanges le tout
et tu bois la potion. Le petit plâtre qui reste au fond, tu le mélanges bien que ça fasse comme une espèce de smecta. Tu vois le smecta, là, le truc bien dégueulasse quand t'es gamin, que ta matière te donne. Et ben tu prends ça, tu mélanges et tu bois ça. Ok? Nickel. Et ça, tu le fais encore une semaine. Donc ça te fait une cure de 2 semaines, mon frère. Si après ça, tu vois pas un changement, mon gars, c'est vraiment que tu manges de la merde ou que tu restes trop assis dans ton canapé. Alors à ce moment-là, je t'invite à prendre mon plan alimentaire avec toutes mes astuces, dont celle-ci, et bien sûr mes séances en amont. Ok? Allez, pas de secret. 718. C'est un truc de fou, l'équipe. C'est un truc de fou. On a commencé 123 Spartiates. On est 700 hier, pique à 1506. 1506. Oh! Truc de malade. Vous tenez même pas dans mon jardin. Si c'était en physique, vous tenez même pas dans mon jardin. Ok, l'équipe? Bon, comme j'ai dit, on arrête de tchatcher, on va travailler. Bois un coup. Premier mouvement, regarde la technique, rien de compliqué. Mouvement, respiration. Vous avez retenu la leçon? M-M-A-R. Mouvement mental, mouvement, alimentation, respiration. Ça, c'est un lifestyle, l'équipe. Ok? Le sport, c'est juste un support pédagogique. Mais le but dans tout ça, c'est d'être fonctionnel, d'avoir un corps qui sert à quelque chose. Ok? Ça sert à rien d'être musclé et puis tu sais rien faire avec ton corps. Honnêtement, ça sert à rien. Le but, c'est de monter comme un singe à l'arbre. Le but, c'est d'aller courir. Boum! Enfin bref, d'être fonctionnel. Demain, tu dois aller nager 1 km. T'en es capable, mon frère. Ok? Allez, on balance. Je monte le mouvement. Je mets mes gants parce que moi-même, j'hallucine. Ça fait. D'ailleurs, mes clients m'ont dit ça, hein. Ça fait un mois que je suis avec vous. Mon corps, il a changé, l'équipe. Parce que je m'entraîne différemment d'habitude. Je fais beaucoup plus de courses, donc je suis plus fin. Là, je commence à reprendre du volume. Ouais, je suis propre. Bon, plan alimentaire, des exercices, tout va bien. Propre, équilibré, les cuisses, tout va bien. Franchement, je suis content de mon physique, là. Et ça, c'est grâce à vous aussi. Parce que quand je le fais avec vous, je suis pas en train de donner des consignes, hein. Je suis dans le dur avec vous, hein, l'équipe. J'en chie autant que vous, croyez-moi. Après, peut-être, certes, j'ai une petite condition physique qui fait que je subis peut-être moins, mais je suis dans le vrai avec vous. Et ça se voit. Si vous voyez mes premières vidéos, regardez comment j'étais taillé à mes premières vidéos. Je faisais que du cardio, j'étais sec comme un raisin. Là, boum, j'ai pris 3-4 kilos. Dans ces 3-4 kilos, il y a bien au moins 1,5 kg, 2 kilos de muscle. Facile. Ok, l'équipe? Donc, si ça marche sur moi, ça marche sur vous et ça marche sur tout le monde, même mamie, ok? Le truc, c'est sport, alimentation et tout va bien. Et hydratez-vous, parce que si vous ne vous hydratez pas, l'alchimie, elle ne se fait pas, l'équipe. Ok? Je vois trop de gens qui sont déshydratés dans mes coachings. Quand je fais des pesées, le mec, il est à 40%. Quand moi, je me pèse sur ma balance, je suis à 67% d'hydratation. Et j'ai des mecs qui sont à 40%. Et il me dit, j'arrive pas à sécher. Bah, tu m'étonnes, mon frère. Tu gardes toutes tes toxines. Elles sont en train de putrider dans ton estomac. Tu t'en rends même pas compte. Voilà. D'ailleurs, quand vous pissez, faut pas pisser jaune, orange, couleur, odeur ammoniaque. Là, pose-toi des questions. Vous devez pisser blanc, l'équipe. Blanc. Ok? Clair. Pas trop. Pas trop boire non plus parce que ça devient néfaste, c'est comme tout. L'excès n'est jamais bon, même pour des choses saines. Ok? Ok, donc si on est ok, je mets la musique. On va commencer sous un petit son de Michael Jackson. Ok? Regardez. Juste le mouvement. Donc je mets mes gants. Donc là, ça va piquer l'équipe. Ok? Donc, le premier mouvement, vous allez commencer, vous mettre bien en face de vous, ok? Comme ça, tout le monde voit bien. Premier mouvement, vous êtes sur les avant-bras, comme ceci. Coup d'épaule aligné, toujours important, la technique. La rétroversion du bassin, ok? Belle planche. Là, tu me fais, tu recules un petit peu. Voilà, là, tu me fais triceps. Chut, souffle dans la montée. Pose les avant-bras, et là, tu me fais abdos, côté. Lentement, l'autre côté, triceps, ok, boum, si c'est trop dur, genou au sol, triceps, boum, genou côté, boum, ok, il y en a pour tout le monde, genou côté, alright, je vais me mettre juste légèrement incliné, comme ça vous verrez bien. Ensuite, la pause, vous savez, chez moi, il y a toujours une récupération active, on n'est pas là pour tricoter, vous avez bien compris. Donc la pause,
Tu basculeras sur le côté, le bras qui est là, là, contre le tapis, vient le long du corps, l'autre qui est devant, et là, tu viens pousser pour achever en isolation ton triceps, ok? Le triceps, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le muscle qui ressemble à un fer à cheval, derrière le bras, le muscle antagoniste au biceps, ok? Agoniste, antagoniste. Toujours travailler les muscles, voilà, en agoniste, antagoniste, pour garder un équilibre musculaire. Ça, c'est important, l'équilibre. Ça, c'était la petite note. Ok, j'arrête de tchatcher, je parle trop ce matin. Je parle beaucoup trop. Ready? Position. Débutant, intensité plus. 3, 2, 1. C'est parti. Go. Sort. Souffle. Triceps. Genoux. Triceps, côté, abdos, encore. Souffle, souffle, bras, relâche, pousse. Prochaine pause, change de côté. Reviens. Genoux. Contracte. Inspire, souffle, encore, relâche, côté, triceps, tend, souffle, t'as vu ma technique, reprends, encore, souffle, tranquille l'équipe, technique. Encore. Oh! Continue. Côté. Triceps. Encore. Pousse. Contracte. Souffle. Viens de dire bonjour, Ilan. Encore. Continue. Souffle. Côté. Boom. Relâche. Allez, pousse. Encore. Tends bien ton bras. Reprends. Option. Les débutants. Tends. Genou. Genou. Côté. Tends. Côté. Expert. Tendu. Côté. Le bras. Côté. Tends. Triceps. Encore. Reprends. Ouh. Continue. Ça va l'équipe? Toujours avec moi? Oui ou non? Allez, va chercher. Boom. Tends. Triceps, côté. Encore. Continue. Débutant. Tends. Débutant, genou au sol. Côté. Boum. Expert, tendu. Reste tendu. Débutant, tes genoux, viens avec moi, ensemble. Tendu. Boum. Bloc. Pam, côté. Tends. Encore. Souffle. Contracte triceps dans la montée. Continue. Boum. Est-ce que ça chauffe? Oui ou non? Encore. Triceps. Boum. Continue. Côté. Triceps. Encore. Souffle. Reviens. Bloc triceps. Sans mettre les coudes au sol. Bloc triceps. Sous tension.
sans mettre les coudes au sol. Maintiens. 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 Serre tes abdos. T'as vu, les coudes ne touchent pas le sol. T'es sous tension, contraction isométrique. En 4, 3, 2, 1. Relâche. Ouh. Ça, c'est cadeau, ça, non? Oui ou non? Dis-moi quelque chose. Ok, je mets un son. Alors là, regarde bien, parce que là c'est un peu plus compliqué. Tu penses bien, on va pas rester dans le facile. Là on commence à être chaud. Donc attends, je cherche la musique. Ok, j'ai ma musique. Tu connais Florida, Miami Beach? Yeah man. Le culte du corps là-bas. Pour les sportifs, c'est juste le pied. La plage, les agrès, tout va bien. Tout le monde est affûté, tout le monde fait du sport. Tout le monde mange healthy. À côté, il y a, bon, il y a ceux qui bouffent les hamburgers, forcément, mais bon. The place to be. Ok. Prochain mouvement. Donc là, ne stresse pas. Hein. Ne stresse pas. Tranquille. Oh ouais, tapis. Comme ceci, c'est très bien. Ok. Voilà. Là, il faut de l'espace, ok? Donc, tu pars debout, tranquille. Tu vas, au début du gong de la musique, tu vas marcher. Marche. Quand tu arrives là, tu me fais talon-fesse, sans mettre les genoux au sol, t'as vu? Et là, tu me fais passement de jambe. Donc, tu passes pied à l'extérieur de la main, et là, ton genou vient dans l'axe. T'as vu là? Abdos là, t'as vu comment ça travaille là, comment c'est engagé, regarde-moi ça, ce petit tri là, magnifique. Ensuite, boum, tu reviens talon-fesses. Change de jambe, forcément. Merci Seigneur, on a deux jambes. Tu reviens en planche. Là, tu relâches le bassin, jambes tendues. Tu enroules tes épaules. Tu pousses le fessier en étant tonique en rentrant l'abdomen. Et puis tu marches. Et ça te fait une série, et il y en a 8. Alright? Ouh! Alors là, souffle, parce que man, c'est cardio. Yes? Bon, un coup. Vous avez vu, je prends le temps de bien expliquer, de prendre la récup. Parce que je reçois des messages. Vous kiffez, mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont du mal à suivre. Le direct, et ils font en replay. Moi, j'aurais aimé que c'est que tout le monde kiffe le direct quand ils ont l'occasion de pouvoir le faire. Ok, l'équipe? On est parti. Rappelle-toi, les mouvements avec Florida. Allez, relâche. 3, 2, c'est parti. Marche. Passement. T'as compris? Ça, c'est le mouvement. Excuse-moi. J'avais raté le début, j'ai pas entendu. C'est parti. Go! Marche. Talon. Relâche. Tonique. Marche. Ok. Tranquille. Deuxième. Fesse. Allons. Passement. Derrière. Derrière. Bloc. Relâche. Tonique. Marche. Récupère. Stop. Bonjour Elan, viens me faire un bisou, champion. Prochain mouvement, troisième série. Go, même chose. Talon, derrière. Tout, reviens devant. Tonique. Bloc.
relâche, redresse, souffle, marche. Allez, c'est cool. Ready? Go! Marche! Talons fesses! Bloc! Relâche! Tonique! Marche! Tout! Relâche! Alors l'équipe, ça va? C'est gentil ça, hein? C'est cadeau! C'est très technique. C'est parti. Go, marche. Talon fesses. Devant. Derrière. Bloc. Relâche. Sous. Marche. Stop. Futur athlète. Avec Ilan, come on, marche, marche, ça va l'équipe. Continue, marche. Talons fesses. Explose. Explose. Talons fesses, bloc. Relâche. Souffle. Marche. Récupère. Ça va l'équipe? Qui kiffez ou quoi? Come on, go! Talons fesses. Passement. L'autre côté. Bloc. Relâche. Redresse l'omoplate. Sois bon, fort, fier, athlétique. Explose. Marche. Ça va, oui ou non? Continue. Athlétique, oui ou non? Tempo. Bloc. Sous. Marche. Woo. Bing. Right. Cool ou quoi? Y'a que moi qui m'éclate ou on est 900 à s'éclater? Dites-moi un petit commentaire. Ouh! Ok. Là, on va travailler les abdos, ok? Donc là, il y aura des abdos et des pompes. Donc regarde le mouvement, je mets la musique. Avec du Snoop Doggy Dog. Pour les old school. Ce matin, je suis très old school. Donc, regardez le mouvement. Rien de compliqué. Là, vous allez le mettre comme ceci. Prenez votre serviette pour pas glisser, par contre. Ouh, ça va, l'équipe? Vous kiffez ou quoi? Vous êtes toujours là? Ok, impeccable. Donc là, regarde le mouvement. Deux mouvements. En fait, tu auras deux mouvements. Je décompose pour toi. Ok? Comme d'hab. Mouvement, respiration, technique. Donc, premier mouvement, tu me fais un gros levé de bassin comme ça. Tonique. T'écrases tes talons dans le sol, tu pousses le bassin. Quand tu relâches ton bassin, dans la foulée, main sur les tempes. T'as vu, au début, t'as les bras en étoile, en croix. Comme Corcovado au Brésil, la statue. Ou le Christ, pour les chrétiens. Ok, donc, pousse,
main sur les tempes. Gauche, droite, relâche. Là, tends les bras, fais une roulade. Ouh, pop. Et là, tu reviens. Pompe, ouvre, ferme, relâche. Enroule, bras en croix, pousse, main sur les tempes. Ok, on décompose, comme d'hab. La pause, comme d'hab, tu verras. Ça va? Ça, c'est facile, ça. Ready? C'est parti. C'est ça, le mouvement. Continue. Enroule. Pompe. Ouh. Ferme. Relâche. Bras en croix. Pousse. Abdos. Relâche. Cercle. Dénage. Cercle. Cercle. Relâche. Reprends. Go. Pousse. Cercle. Alterne. Côté. C'est parti. Enroule. Explose. Ouvre. Ferme. Relâche. Continue. Boum. Cercle. Alterne. Continue. Lève. Boum. Côté. Roule. Explose. Continue. Pousse. Bloque. Cercle dans l'autre sens. Vers l'arrière cette fois-ci. Alterne. Relâche. Encore. Boum. Enroule. Explose. Ouh. Ferme. Relâche. Encore. Abdos. Bloque. Cercle vers l'arrière. L'autre cercle. Regarde la technique. Quand tu tombes. Enroule. Boum. Go. Enroule. Pompe. Ouvre. Ferme. Continue. Cercle. Tombe pas. Tombe comme un judoka. Enroule l'épaule. Bloque. Pompe. Pousse. Enroule. Pompe. Pompe. Relâche. Enroule. Pousse. Enroule. Écart. Pousse. Côté. Reviens. Cercle. L'autre sens. Cercle. Tombe comme un judoka sur l'épaule. Enroule. Pousse. Continue. Pas fini. Contrôle. Maintien. Maintien. 3, 2, 1. Ok, récupère. Ça va ou quoi? C'est comment? C'est cool? C'est chaud? Dites-moi quelque chose, que je sache où j'en suis pour la suite.
Ok. Là, on va travailler les abdos. Ok? Regarde la technique. Là, tu seras allongé sur le dos. Regarde bien le mouvement. Tu pars comme ceci, ok? Tu as une jambe pliée. On travaille du côté où la jambe est tendue, toujours opposée à la jambe d'appui, ok? Vous allez utiliser vos mains. Vous allez faire un passement de jambe de l'autre côté avec transfert de poids pour finir allongé comme ça, sauf que vous aurez la casquette de l'autre côté, pas à l'opposé, mais face à vous, ce qui donne. Redresse, souffle, t'as vu là? Engage tes abdos, t'as vu? Prends appui sur ton sol, sur ton talon, souffle. Là, tu poses les mains, et là, rapidement, tu reprends l'autre pose dans l'autre sens, ok? Je fais de l'autre sens, transfert de poids, et reviens, ok? Quand c'est la pause, tu verras, comme d'hab. Allez, on va mettre un petit son de Snoop Doggy Dogg. Pas Snoop, Chris Brown, autant pour moi. Vous aimez Chris Brown? Moi, je kiffe. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est moi qui suis le maître des platines. Are you ready? Chris Brown, c'est parti. Go. Là, reviens en planche et là, recule, recule, reviens vers l'avant, reviens, on est reparti, souffle, technique. Planche vers l'avant, vers l'arrière, reviens milieu, replace-toi, souffle, très cardio. Planche vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore. Replace. C'est parti. Go. Encore. Planche vers l'arrière, vers l'avant, reviens, continue, ça va oui ou non? Lâche rien, ça va oui ou non? Allez l'équipe, avec moi, planche. Vers l'arrière, vers l'avant, reviens milieu, serre, continue, ouh, encore, pas fini, ouh, sec, ok, planche.
C'est parti, go! Vers l'arrière, puis vers l'avant, puis bloc milieu. Reviens. Dernière. Ça finit. Ouh! Putain, chaud! Est-ce que t'as senti le mouvement, oui ou non? Est-ce que t'as senti tes abdos? Ah, ok! Et là, vous savez quoi? On va faire du stretching, on va s'arrêter là, parce que j'ai hyper mal à l'épaule, l'équipe. Je suis désolé, mais j'ai mal. Regardez là, j'ai mal, ok? Donc, j'écourte mes séances à 30 minutes. Parce que passer 30 minutes, ça commence à piquer. Et vu que j'ai encore mes autres entraînements dans la journée, je préfère ménager ma machine, la monture. Ok, l'équipe? Important. Important. 30 minutes, séance métabolique. Juste ce qu'il faut. Le plus important, c'est que tu brûles du gras après la séance, pas pendant la séance. Parce que ton métabolisme, il augmente, forcément. Vu que t'es pas assis à rien branler devant la télé, à bouffer des cacahuètes. Ok, l'équipe? Stretching. Alors là, je vais vous mettre une petite musique. Cool down. Un petit stretching dynamique, quand même. Allez, on est parti, l'équipe. Avec moi. Enroule les épaules. Je le rappelle, c'est du stretching. On est dans la détente. Bloc vers l'arrière. Relâche bien. Pieds à plat, talons fesses. Maintiens la posture. Reviens sur les coups d'épaule alignés. Tends les jambes. Relâche le bassin, jambes tendues. Souffle. Allez, maintiens. Reviens. Inspire. Chut. Bloc. Relâche. Reviens. Talons fesses. Souffle. Resserre. Relâche. Ouvre. Reviens, talons fesses, enroule. Redresse les omoplates, relâche le bassin, grandis-toi au maximum, souffle. Reviens, devant, rétroversion du bassin, et la pousse vers l'avant. Ouh. Inspire. Relâche, souffle. Reviens. Main au sol. Alterne. Rétroversion. Boum. Papa dans maman, rappelle-toi. Boum. Souffle. Bascule. Psoas. Fléchisseur de hanche. Le muscle qui est relié au bassin là. Qui relie la cuisse. Le fémur au bassin. Maintiens. Tends. Inspire, souffle. Reviens. Serre. Bloc. Maintiens. Alterne. Serre. Maintiens. Reviens. Triceps.
Regarde la technique. Tu reviens vers l'arrière. Sans forcer. Alterne. Reviens. Adducteur. Sois beau, fort, fier, redresse. Tendu, plié. Alterne. Redresse. Ouvre bien, genou vers l'extérieur. Reviens. Relâche. Relâche. On continue, c'est pas grave, sans musique. Relâche. Et déroule vertèbre par vertèbre. Et souffle. Ok. Bravo à vous l'équipe. J'espère que ça a été pour vous ce matin. Ok. Nickel. Donc rappelez-vous l'astuce de l'argile verte pour déstocker les graisses viscérales. Rappelez-vous, il y a mon plan alimentaire pour ceux qui ne maîtrisent pas et qu'on en marre bricolé. Il y a aussi la cagnotte. Je tiens à vous remercier. 227 participants. Elle termine dans 9 jours, donc pour ceux qui veulent faire un petit don, n'hésitez pas, même si c'est 1 euro, pas de souci. On crache pas dessus, surtout en ce moment. Ok, l'équipe, sur ce, porte-toi bien, bon confinement, on lâche rien. Et puis, à demain. Ciao, ciao.